Ya Abdallah, parmi les élèves que les gens font aujourd'hui, dans le WhatsApp, dans le téléphone qui est en main, devant leurs parents, c'est lorsqu'ils conversent avec son papa, il est en train de manipuler le téléphone. Ya Allah, Ya Allah. Mon ami, pourquoi tu ne profites pas? Pourquoi tu n'achètes pas ton paradis? Pourquoi tu ne profites pas à l'existence de tes parents pour avoir ton paradis? N'as-tu pas entendu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Rahimahum, Manadraka walidi wa la nadkhulu janna. Qu'a perdu, a perdu, a perdu, celui qui a rencontré ses parents n'a pas hérité de le paradis. N'as-tu pas entendu ça? Ou bien tes parents, y'a Abdullah et Abbasallah. Ça, c'est parmi les talents de Salafiyya. D'oublier ses parents. Et n'a un, de ne pas les désobéir, de ne pas les humilier, de ne pas montrer qu'ils ne sont rien, de ne pas laisser un conversant avec qui on t'appelle au téléphone, tu décroches le téléphone, tu coupes l'appel, tu coupes la conversation entre toi et ton papa, en décrochant le téléphone d'un individu, quelle qu'en soit la personne là. Et après, il ne faut pas décrocher le téléphone devant tes parents. Il faut le possible manipuler lorsque tu converses avec eux. Il faut lui donner tout respect, grand Ya Abdallah, Ya Matallah, pour que tu profites de ces grands mérites immenses sur eux, dans ce bas monde, qui seront cause pour toi pour aller au paradis. Wa akhiru da'wana, alhamdulillah, al-birru walidin, birru walidin, birru walidin. L'obéissance aux parents, l'obéissance aux parents, l'obéissance aux parents. Ne vous amusez pas avec vos parents, mes chers amis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة